Hello tout le monde, c'est Tester de Jeux Pas Cool. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le quatrième épisode de Faut pas faire chier aux petits Suisses. Ça sera la demi-finale, donc regardez-la, et puis à tout de suite! C'est la demi-finale de Faut pas faire chier aux petits Suisses. La France est contre la Suisse, tandis que la Belgique est contre la Côte d'Ivoire. Comme vous l'aurez compris, c'est de la promotion pour l'Organisation internationale de la francophonie. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, France-Suisse maintenant, pour le quatrième épisode de Faut pas faire chier aux petits Suisses. Alors allez, le match tant attendu, hein, entre deux grandes nations francophones. Ou pas, par un état. Là là, c'est du beau, hein, Tigler. Tigler qui tire. Eh ben non, Mehmet dit non, toujours pas. Zemaili peut-être, non, toujours pas. On n'a pas de chance, hein. On, les Suisses. Barnetta, non, toujours pas. Hein. Zemaili, ah ben voilà, hein, Yoris, hein. Yoris, hein. Hein, Tottenham, c'est voilà, quoi. Donc, Giroud, eh ben non, il prend pas de la tête. Sanderos, Shaqiri. Shaqiri qui pourra se centrer. Et bah non. Mais bon, on a un corner. Alors ça va. Et c'est personne. Et c'est de la merde. Donc Belgique Côte d'Ivoire. Belgique 1-0. Mvila. Mvila. Non. Shaqiri. Inler. Non. C'est pour Nasri, 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 Benzema! Voilà. Ribéry qui va le tirer. Attention, ce sera pour la défense suisse. Voilà. C'est des malades hein, qui jouent ce match. En état. Eh ben non. Une villa. Une villa tout seul. Hein. Peut-être pas, Nasri. Nasri qui a Benzema. Eh ben voilà. Et c'est pour Benzema. Benzema, Benzema tout seul. Et il hop. Et goal. 2-0 pour la Belgique, à part ça. Eh bon, Benzema. Et donc, voilà. 1-0 à la 32e déjà. C'est une passe pour dire là. Ok. Mvila. Ouf. Quelle faute. Ribéry qui va le tirer, il tire, et c'est le goal. Et voilà, 2-0 à la 45e. Hein. Et voilà, 45e minute, Ribéry. 2-0. Hein. Shaqiri. Shaqiri. Berdiac qui va faire un centre pour Memedi. Memedi, voilà. Il se remet en place. Malouda. Et voilà la mi-temps. Mvila. La deuxième mi-temps. Mehmedi. 3-0 pour la Belgique. Tigler qui tire. Oh là là. Yoris, il est partout. Il est partout le gardien. Barnetta. Himmler. À côté en plus. Mehdi. Himmler. Qui tire. Oh là là, corner. Et Hugo Lloris, c'est partout. Alors, c'est pour Derdiok. Non, il l'a pas prise. Et c'est fini. C'est fini, non. Lichtsteiner, une dernière occasion. Lichtsteiner qui tire. Non, c'est fini là. Et sifflez, monsieur l'arbitre. Et voilà le gardien qui est là. Il dégage. Voilà, c'est fini. Voilà, la France en finale. Là. J'espère que ce match vous a plu, comme j'ai perdu la sauvegarde de cette compétition, donc je n'ai pas pu savoir qui a gagné entre la France et la Belgique, donc cette vidéo se termine, et donc au revoir. Non, je déconne en fait, je vais vite faire un match France-Belgique, on va le commenter en live, alors let's go. Hello tout le monde, c'était Sort de Jeu Pas Cool, et voilà la finale entre la France et la Belgique. Vitel. Origi, Vitel,
Alderweireld, Witzel. Pour le moment, c'est la passe à 10, comme on pourrait le dire. De Bruyne qui tire. Il est près de la surface, en tout cas. Il n'a pas tenté. Tu dis pour Evra. Cabaye, et voilà. C'est la fin. C'est la mi-temps. 0-0. C'est la reprise de la deuxième mi-temps. Benzema, Debuchy, Griezmann qui a du champ. Griezmann qui la remet à Matuidi. Griezmann, pas hors-jeu. Evra, Evra qui centre. Debuchy, Origi, De Bruyne, Witzel, Witzel, Dembélé, 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 Dembélé qui tire! Près du poteau. Ce sera un changement. Mavouba qui entre pour Cabaye et Mertens pour Dembélé. Changement. Lukaku qui entre pour Origi. Et voilà, sonne. 90e minute et c'est fini. C'est les prolongations. Nous voyons Debuchy pour commencer les prolongations. Donc match. Avec quelques occasions. Sissoko qui va entrer pour Valbuena et Defour qui va entrer pour Witzel. Espérons que ça va apporter des occasions. Enfin, c'est le joueur. Ce sera Benzema qui va la mettre pour Griezmann. Commencement de la 90e minute. Matuidi, Benzema, Griezmann, Mavouba, Pogba, Matuidi, Matuidi, ouf! Heureusement pour les Belges, c'est à côté. Et voilà, fin de la première mi-temps de la prolongation. Deuxième mi-temps des prolongations. De Bruyne. C'est pour Miralas qui peut centrer. Non, c'est pour De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne, ou poteau. Pogba, Matuidi, Matuidi, Benzema, Benzema. Et voilà, c'est les tirs au but. Donc voilà, Benzema va commencer pour les tirs au but face à Courtois. Benzema. Et vous, intercepté par. Enfin, repoussé même par Courtois. Maintenant, ce sera pour Hazard de tirer. Cette finale, je ne pensais pas qu'elle allait au tir au but. Poteau. Derrière, nous voyons écrit les bleus. C'est pour Pogba. Pogba! Courtois. Pour le moment, 0-0 tir au but. C'est impressionnant pour le moment. Mertens. Mertens qui tire un goal! Voilà. 1-0 pour les Belges. Sissoko. Ça intercepte. Non, c'est le goal. 1-1. Miralas. Miralas, c'est goal! Debuchy maintenant. Debuchy au milieu, goal! La pression est à De Bruyne maintenant. De Bruyne et de goal! Ouais, il y aura beaucoup de goal, 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 goal. Voilà. Griezmann. Faut qu'il la mette ou sinon il fait perdre son équipe et la compétition. Qui ne sert à rien d'ailleurs. Donc voilà, cette compétition s'arrête maintenant avec un seul vainqueur, c'est normal, qui est la Belgique, qui a battu 3-0 la Côte d'Ivoire et 3-2 au tir au but la France. Donc j'espère que cette série vous aura plu. Et on se dit au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que la série vous a plu. Et puis au revoir.